Salut à tous, je suis de retour, je suis trop contente d'être ici avec vous, ça faisait un moment que je ne publiais pas. Donc aujourd'hui on va parler de la loi de l'attraction. Pour moi c'est un thème qui m'a toujours attirée et aujourd'hui je vais partager avec vous comment ça se fait que j'ai attiré un jet privé cet été et comment toi tu peux attirer aussi tout ce que tu veux dans ta vie. Je suis de retour avec vous, ça fait un moment que je ne publiais pas et aujourd'hui je veux partager avec vous mes secrets, comment j'ai attiré la vie de mes rêves, un jet privé cet été et plein d'expériences. Donc je vous raconte une histoire très marrant, je devais partir en vacances hein, fin juin et j'avais tout prévu de partir avec mon vol Air France. J'avais fait mon vol, la réservation, je devais partir normalement un samedi. Donc avec mon fils, on avait tout prévu, les valises, la maison, bon, j'avais fait tout ce qu'il fallait et je reçois un appel. Mais un ami pour me dire, Patricia, vraiment, j'ai trop envie de t'inviter, je veux soin que tu viennes avant. Est-ce que tu peux prendre l'avion, s'il te plaît, jeudi? Parce que je veux que tu changes ton vol et que tu viennes avec vous, avec nous. Et moi, je lui dis, mais t'es malade. Moi, j'ai déjà tout fait. Je veux pas refaire tout mon planning parce que là, il faut que je change tout. Si tu m'envoies un jet privé, je viens avec plaisir. Sinon, laisse tomber, oublie, je prends mon vol samedi comme prévu. Évidemment, sa réponse a été « T'es une folle furieuse, moi je vais pas faire ça pour toi, mais c'est n'importe quoi, mais t'es une folle, prétentieuse. » Bon bref, il m'a insultée, mais pour rigoler. Et donc je lui dis « Écoute chérie, moi je peux pas me stresser et m'angoisser, puisque samedi j'ai mon vol avec mon fils et j'ai tout prévu. » Donc, surprise. Et donc ça se fait que de cette façon, Patricia et Alexander, mon fils, on a pris un jet privé de Paris pour aller jusqu'à Cannes. Et je vous dis la vérité, j'étais surprise quand 3 heures plus tard, il m'appelle et il me dit « Écoute Patricia, je viens de parler avec un ami et par hasard, son jet, il est à Paris et il faut que son jet, il descend à Cannes, à Nice en fait. Donc si tu veux, tu peux prendre le jet et tu peux descendre. » Donc, moi, dans ces moments, j'étais comme ça. Quoi? Je lui ai dit, mais tu rigoles. En fait, c'est toi qui as payé les jets privés parce que toi, tu veux trop que je vienne avec toi. Et donc, tu m'as fait toute cette misère pour rien. Il m'a dit, écoute, rien, pas du tout. C'est vraiment mon ami. C'est une histoire, c'est une coïncidence. Je ne sais rien ce que tu as fait. Mais bon, ton jet privé, il est là. Donc, on t'attend avec ton fils pour que tu puisses être avec nous vendredi et tous les week-ends. Donc, imaginez, moi, j'étais excitée à mort, j'étais hyper contente, je cours, j'écris, je parle avec Alexander, j'écris, je parle avec ma mère, avec mon père, avec mes frères et je leur dis, vous voyez, la loi de l'attraction, ça existe. Parce que en fait, si moi, j'avais jamais dit ça, lui, il m'aurait jamais dit, Patricia, un jet privé, tu vois, donc il faut activer les choses. Donc c'est pour ça que je vous dis ce qui est dans la vie, peu importe, il faut demander, il faut mettre à l'univers ce qu'on veut. De cette façon, elle marche et donc depuis toujours, moi je suis une croyante à fond et aujourd'hui aussi je vais vous partager des gens que j'adore et que j'écoute beaucoup et qui sont des gens vraiment qui m'ont changé la vie. Et parce que je pense que grâce à ces gens-là, on peut vraiment changer ta mentalité, ta philosophie de vie. Tu peux vraiment faire un planchement dans ta vie et vraiment te demander ce que je fais cette vie parce que j'ai envie de faire ça ou parce que je suis la société ou parce que c'est les rêves de mes parents. Bon, bref, quoi. C'est vraiment un moment de plonger dans votre intérieur et vous demander si ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment parce que vous voulez. Bon, là, je pars un peu plus loin. Je parle des gens vraiment qui ont mission de vie. Donc c'est mon cas, je crois que j'ai vraiment une mission de vie et j'ai trop envie de partager ça avec vous. Et surtout, si vous pouvez utiliser aussi la loi de l'attraction et attirer n'importe quoi, ça marche vraiment. Moi, j'ai attiré centaines et millions de choses, pas qu'un jet privé, j'ai attiré des amitiés, des opportunités de travail, des tenues, des looks, des fêtes, des invitations, genre dans mon métier, tout ce que je veux, ça suffit que je pense. Et c'est vraiment une espèce de la lampe des génies. Je pense quelque chose et au bout de 3 ou 4 jours, par hasard, j'ai quelqu'un qui me contacte et me dit « Patricia, est-ce que tu veux ça ? Patricia, est-ce que tu veux ça ?» Et donc, c'est vraiment impressionnant et c'est pour ça que je vous invite à écouter mes top 4 des gens qui parlent de la loi de l'attraction.
Alors là, ce que je veux vous révéler et partager avec vous, vraiment, c'est de l'or. Parce que, ouais, c'est vrai, j'ai lu le livre Les Secrets, que je pense que toi aussi, ou plein et millions de gens ont lu déjà dans la planète. Mais en fait, il y a mieux que ça, parce que le secret, ça reste quand même assez fiction. Et je pense que dans la vie, on veut s'inspirer à des vraies histoires dans la vraie vie. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous présente Joe Dispenza. Pour moi, c'est vraiment la personne la plus inspirante au niveau de la loi de l'attraction. Moi, je l'ai découvert par hasard. J'ai commencé à écouter ses vidéos sur YouTube. Et de plus en plus, je m'attache à lui, à ses discours, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense, à son expérience de vie. Parce que aussi, il y a quelques années, moi, j'adore lire et je suis vraiment à fond sur la neurolinguistique. Si, ce qu'on dit comme ça en français, je pense vraiment que le cerveau, c'est un organe et qu'on peut vraiment le modifier et que rien n'est fixe dans la vie. Et donc, dès que j'ai lu ce livre, je commence à croire vraiment que l'humanité, elle est vraiment trop enfermée dans des paradigmes qu'ils font en sortir. Et donc, quand j'écoute des gens comme Joe Dispenza, je me rends compte à quel point l'intuition a un moteur très fort dans la vie des gens et qu'il faut la réveiller plus. Et je pense que de cette façon, on arrive plus à avoir une vie heureuse, que pour moi, ça, c'est la réussite la plus grande, parce que même pas l'argent, le pouvoir, une position forte ou importante, ça va vous amener à être heureux. Vous savez pas combien de gens j'ai connus qui sont plein d'argent, plein de pouvoir, et ils sont déjà frustrés. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut suivre votre cœur déjà avant tout. Et donc c'est de ça que Joe Dispenza il parle, qu'il faut vraiment écouter ton cerveau et il faut vraiment s'arrêter pas à où on pense qu'il y a une limite. Il faut vraiment écouter ton cerveau, il faut penser que tout peut aboutir, tout ce que tu as envie d'aboutir, même et malgré la situation, elle est complètement différente, elle est noire ou à quel point elle peut être bizarre ou contre vous. Donc je vous invite à suivre le lien Joe Dispenza, il va vous expliquer tout au niveau de neurolinguistique, il va vous expliquer son expérience de vie, que c'est hyper touchante. Je trouve vraiment que son expérience c'est vraiment très très fort, j'ai même envie de pleurer tellement c'est touchant pour moi. Et là on va pour le deuxième. Mon deuxième top 3 de la loi de l'attraction, c'est Marissa Peer. Je l'ai découvert aussi grâce à Joe Dispenza, mais là, elle a une approche de vie un peu plus pour les femmes, je trouve. Je pense qu'elle est vraiment la femme qui va t'aider à t'en sortir de ton sabotage personnel. Moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de soucis dans ma jeunesse. Déjà, j'ai vécu dans un pays où être femme, pour moi, je pense, est assez compliqué puisqu'il n'y a que la place pour les hommes. Donc, s'évadre pour avoir une place, c'est très compliqué. Donc, je pense que de quelque façon, je suis née avec un esprit trop large. Donc, depuis toujours, je ne me suis jamais trouvée bien dans mon pays avec mes parents, avec des Mexicains hyper machos. Et voilà, je sais, c'est pas gentil de dire ça, mais c'est la vérité. J'avais toujours des soucis avec mon père, avec ma mère, avec mes frères, avec tout le monde. Parce que je pense que j'étais peut-être un peu trop impérative ou trop dominante vers les gens. Mais je pense que c'était pas une question d'être dominante, c'était une question juste de trouver ma place et surtout de pas me laisser faire. Quelque chose que, surtout quand t'es femme, les gens le prennent à la contraire. Parce que si un homme, il cherche sa place, waouh, c'est incroyable, quel homme, il a le pouvoir, il a tout. Mais si une femme, elle cherche de trouver sa place, salope, garce, elle se prend pour qui? Alors, je pense que ça, c'est complètement quelque chose c'est une erreur pour les femmes. Et si on continue à penser de cette façon, on va jamais donner la possibilité aux femmes d'être libres. Donc, Marissa Peer, elle parle beaucoup de quelle façon les femmes ont et subi un sabotage émotionnel, intellectuel et mental, et donc qu'il faut faire vraiment des façons d'en sortir de tout ça, déjà pour être libre, numéro 1, et 2, pour trouver vraiment ton potentiel, parce que parfois, on sait qu'on peut accomplir des choses, mais la société nous a mis tellement, je sais pas quoi, dans un coin coincé de cette façon que tout est en même mal à dire je peux aboutir, je peux accomplir ça. Donc il faut déjà sortir tous tes complexes. Moi j'avais plein de complexes par rapport à mon physique, par rapport à la façon que je pensais. Je pensais que j'étais
comment dire, que tout ce que je pensais, c'était pas bien, ou que j'étais, je sais, je trouve pas les mots pour vous dire, mais en tout cas, je me sentais que je n'étais jamais bien, ou à la place juste, ou avec les bons gens. Donc, je vous dis que c'est pas le cas. Si vous vous sentez comme ça, c'est juste que la vie veut vous pousser un peu plus pour que vous suivez votre chemin et surtout parce que peut-être tu as la capacité de faire plus. On va pour notre numéro 3. Et mon troisième attraction, c'est Tania Lucelli. C'est une fille sud-américaine comme moi. J'ai commencé à écouter son histoire parce qu'en fait, elle est très critiquée sur YouTube pour toutes ses histoires, pour sa philosophie de vie, pour tout ce qu'elle pense. Au début, moi, je me suis dit, mais quelle garce cette fille, n'importe quoi ce qu'elle partage. Après, j'ai commencé à regarder de plus en plus toutes ses vidéos, toute l'évolution de son parcours, de ce qu'elle racontait, de ce qu'elle pense, de ce qu'elle veut partager. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, elle n'a pas tort. Elle n'est pas si perdue que ça. Donc, pour toutes les filles qui veulent récupérer leur amour personnel, te rendre compte de ta valeur, elle est très intelligente. Il faut vraiment l'écouter. Par contre, elle est très speed, elle est très directe. Donc, si tu es la fille, que tu es un peu susceptible, je ne te la conseille pas. Par contre, elle parle que de la réalité et je ne peux pas être plus d'accord avec elle. Donc, je vous dis ça. Moi, je me suis séparée il y a quelques années et donc j'ai subi beaucoup j'étais très mal à l'aise avec moi-même parce que je pensais que beaucoup de ces divorces, de cette séparation, c'était à cause de moi, c'était ma faute. Et oui, d'une façon, c'était ma faute entièrement. Et donc, cette fille, elle va vraiment vous aider pour que vous compreniez comment il faut faire avec les hommes. Et donc, pour toutes les filles qui ne sachent pas faire avec les hommes, elle est incroyable. Elle va vous donner des conseils énormes. Donc, si tu cherches un homme, améliorer ta relation avec ton copain, avec ton mari, avec ton amant, avec ton futur mari, je vous la conseille. Elle est très intelligente. Alors, vous savez que je suis hyper réelle comme fille, je suis très transparente, j'adore toujours la vérité, que c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien, puisqu'on vit dans une société qui parfois elle est fausse, hypocrite, mauvaise, méchante. Mais bon, moi, je suis comme ça et j'essaye de rester fidèle à qui je suis. Donc, je vais vous partager autres deux histoires. Je suis née au Mexique. Il y a quelques années, c'était presque impossible de devenir une modèle en Italie, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas YouTube. On avait à peine, je crois, un truc qui s'appelait MySpace ou quelque chose comme ça, ou je pense un autre espace bizarre, mais on n'avait pas vraiment la possibilité de faire tout ça. Donc, moi, au bout d'un moment, tout le monde m'a commencé à dire « Patricia, t'es tellement belle, tu pourrais devenir top modèle, je ne sais pas quoi. » Moi, personnellement, je ne le croyais pas. Soit je ne me sentais même pas belle, je pensais que j'étais une fille banale. Je savais que j'étais différente des autres filles, mais je ne sentais pas que dans moi, il avait les potentiels pour devenir modèle ou autre. En plus, j'étais hyper masculine, donc pour moi, être une fille féminine, genre, hors question. Mais au bout d'un moment, les choses au Mexique, dans mon pays, ils ont commencé à devenir dures. Ça veut dire, j'ai arrêté l'école, je n'étais pas sûre de faire mes études, j'ai fait 3 ans d'économie, administration et commerce, que j'ai adoré, parce que j'étais toujours une très bonne étudiante. Mais dans la vraie vie, est-ce que je voulais vraiment être là, travailler là? J'ai travaillé déjà avec mon père dans sa société de construction et sincèrement, je ne pouvais plus. Tous les jours, c'était une galère, c'était une dépression. C'était pour moi la vie la plus dure que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Après, j'ai eu une expérience au BMW. Je me faisais draguer par tous les mecs. En fait, tous les mecs qui voulaient acheter une voiture, c'était l'excuse pour m'approcher, pour me draguer, pour m'inviter à sortir, pour me dire que j'étais belle. Et donc, je me retrouvais à être quand même une vendeuse sérieuse, que je voulais prendre mon métier au vrai, mais personne ne me prenait au sérieux. Puisque les mecs, ils me voyaient comme ça, ouais, bon, elle est belle, je sais rien quoi. Donc, j'étais vraiment en dépression. Parce que je me suis dit, j'ai pas un futur dans ce pays-là. Je veux faire quoi? Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir l'espace mentalement pour dire, bon, je me suis inscrite au cours de danse. Là, j'ai connu un mec
qui m'a dit, il faut que tu apprennes les français. J'ai appris les français. Après, il m'a invité à faire un cours de français à Nice. Après, là-bas, j'ai découvert de nouvelles personnes qui m'ont aidé. Ils m'ont donné la main pour aller devenir mannequin à Milan. Donc, je vous dis aussi, quand vous êtes perdu dans la vie, il faut ouvrir votre esprit. Parce que parfois, on est tellement fixe sur quelque chose qu'on veut qu'on ne regarde pas les options. Donc, c'est juste une petite histoire pour vous dire, si tu es perdu, si tout te semble pas lisse avec ta vie, t'inquiète pas, t'angoisse pas, ça suffit juste que tu arrêtes un moment et que tu penses qu'il y a une solution et que peut-être juste en ouvrant ton esprit et avoir un regard un peu plus écarté, tu pourras voir des nouvelles options ou des autres choix que tu n'avais pas vu, que tu n'avais pas pensé que c'était pour toi. Comme moi à l'époque, j'aurais jamais dit que je pouvais devenir modèle un jour. Aussi, autre chose que je veux partager avec vous, c'est que quand vous voulez quelque chose, ça suffit que vous écrivez ce que vous voulez parce que ça, c'est hyper efficace. Moi, déjà, quand j'étais à l'école, j'étais obsédée d'être toujours la numéro 1. Parce que j'adore toujours être la numéro 1 dans tout ce que je fais. Et j'écrivais tout le temps. Cette année, je vais passer tous mes examens avec un meilleur, la maximum de ponctuation, que c'était 10. Donc, j'écrivais toutes les matières avec 10, 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 10. Et donc, tous les jours, je regardais ça en disant, je vais finir avec 10, avec 10, avec 10, avec 10. Et stupide, comme incroyable, oh, je sais pas. À chaque fois que l'année il finissait, moi j'avais tout le temps 10. Et comme ça, juste pour vous dire, quand tu crées quelque chose, c'est beaucoup plus facile que ça va arriver dans ta vie. Mais il faut que toutes ces intentions, elles viennent vraiment de votre cœur. Et je ne le dis pas pour être cheesy, au cliché, au susceptible, au sentimental, mais vraiment l'univers, il répond à l'émotion. Ok, donc il faut vraiment que vous soyez consciente de vos émotions. Et surtout, je vous dis aussi quelque chose qu'avant moi, je n'avais pas compris. Et parfois, ça bloque beaucoup votre vie. Il faut que vos émotions, il y a un fond d'amour et pas un fond d'ego, des arrogances ou de vouloir se montrer juste pour vouloir se montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Il faut toujours avoir l'intention d'amour. Parce que parfois, on fait les choses en vouloir montrer qu'il y a l'amour, une bonne intention, mais derrière, on a un dossier fin. Donc ça va jamais marcher. Donc, c'est très important que vous ayez un bon fond, que vous ayez des bonnes intentions et surtout que vous faites tout à partir de vrai amour. Alors mes beautés, c'est tout pour aujourd'hui. Donc juste pour résumer, on a vu qu'avec la loi de l'attraction, on peut attirer tout ce qu'on veut. Je vais vous partager mon top 3. Donc Joe Dispenza, Marissa Peer et Tania Lucelli, c'est trois aspects de votre vie très forts. Déjà, c'est la neuroplastie au niveau intellectuel. Il y a la valeur de soi-même avec Marissa Peer et il y a Tania Lucelli pour les filles qui ne sachent pas faire. Sache pas faire avec les sommes. Elle est très intelligente et va vous donner des conseils pratiques dans la vraie vie de tous les jours. Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour mon vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je pense que c'est très important vraiment d'investir dans tes émotions, dans ton cerveau, puisque tout part de là. Et c'est très important que vous restiez éduqués et bien informés. Mon prochain vidéo, il va être un peu moins intellectuel puisqu'on va refaire la chambre de mon fils Alexander. On va partager ça, le remaking, le refait de sa chambre avant et après. Et bon, je vous dis plus rien et à la prochaine.